Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto qu'on m'a demandé pour savoir comment on utilisait ces cahiers. Voilà, les cahiers die cut 3D. Donc bon, j'avais expliqué un peu en message privé à une amie. Donc je vais proposer de faire une petite vidéo pour lui expliquer comment on faisait exactement. Donc en plus ça peut servir à certaines hein, qui ne savent pas comment s'en servir, pourquoi pas. Donc j'ai proposé donc de faire cette petite vidéo. Donc je vais vous la faire aujourd'hui. Donc je vais la faire sur... alors je ne sais plus si ça vient d'Action celui-là. Voilà. C'est un qu'on m'avait offert. Mais je ne sais pas s'il vient d'Action ou de chez Noz. Pardon. Désolée, j'ai un peu la crève depuis hier. J'ai attrapé la crève pour mon anniversaire, donc c'est super. Youpi. Donc je vais faire un petit tuto. Je vais faire une petite carte avec vous. Donc pour montrer comment on fait avec ces die cuts. Voilà. Donc vous avez déjà Fifi qui est déjà en place. Hein, vous voyez. Voilà. Stéphanie, regarde. Tu vois, j'ai mis le bijou que tu m'as fait pour mon anniversaire. Il est super, j'adore. Tu vois, en plus, il est super à la bonne taille. Si Fifi veut bien laisser qu'on le voit. Alors, je vais changer un peu la caméra de place pour la faire en plongeant. Pour que vous ayez une vue plongeante, ce sera beaucoup mieux. Et on se retrouve tout de suite. Voilà. Donc, bon, voilà. Alors, on va utiliser cette page. Voilà. Donc ici, avec le bonhomme de neige et tous les petits paquets cadeaux, il va vous falloir un fond de carte, bien sûr. Donc moi, j'ai pris un 15-15. Un fond de couleur, si vous le souhaitez. Donc moi, je vais utiliser celui-là. Il va vous falloir de la mousse 3D en carré, comme ceci. Donc plus ou moins épaisse. Il va vous falloir du double face ou de la colle, un scalpel ou un coupe-papier, je cherche le mot, tout ce qui coupe le papier. Voilà. Alors Fifi, laisse-moi prendre ma règle, s'il te plaît, merci. Une règle, un crayon, voilà. Et après des décorations si vous le souhaitez. Donc je vais d'abord mettre ce papier à la bonne taille. Donc comme là ça fait 15-15, ça je vais le couper à 14,5 sur 14,5 bien sûr. De ne pas couper la queue à Fifi qui ne veut pas bouger. Vous voyez là sa queue, là ça c'est sa patte. Et il me refaut un fond uni, j'ai oublié. Donc voilà mon premier fond qui va venir se mettre là. Et un autre fond uni. Alors, je cherche mes couleurs principales, donc c'est surtout le rose, le rouge. Donc je vais mettre du violet, peut-être, oui. Voilà. Donc là, j'ai 14,5 sur 14,5. Donc là, je vais faire 14. Puisque mon dessin, il faut que vous mesuriez votre dessin, il fait 11. Donc non, je peux faire 13,5. 14, oui, 13,5.
J'oubliais. Oui, il me faut aussi du double face 3D, comme ça, en rouleau. Je profite de la vidéo également pour remercier. Je n'ai pas encore répondu au message. Hier, comme j'étais pas track en même temps, je n'ai pas eu le temps. J'ai surtout répondu à toutes les personnes sur Facebook. Donc je remercie toutes les personnes sur YouTube. Vous avez été nombreux à me souhaiter mon anniversaire hier. Alors un grand, grand, grand merci. Mais je vais vous répondre à tous dans la journée, individuellement, comme je fais toujours. Mais là, je vous dis déjà merci, merci, merci à tous. J'ai rien fait d'extra, hein. On est resté à la maison. Donc voilà. J'ai ma première feuille, ma deuxième. Voilà, donc la deuxième, je vais la mettre en 3D. Donc je mets d'abord sur la première du double face. Là, je vais la coller à plat, on va dire. Désolée. En plus, on a un temps pourri. Donc là, en même temps, bah, ça me fait faire une petite pause parce que je suis en train de vous préparer une... enfin, il va y avoir plusieurs vidéos pour un tuto que je suis en train de vous préparer. Donc là, je suis en train de faire tout le tuto. Normalement, il y aura 3 vidéos pour ce tuto. Mais je suis en train de tout préparer. J'espère que vous aurez tout pour la fin de la semaine. Comme ça, je vais pouvoir vous mettre les 3 vidéos en une fois pour pas que ça fasse comme pour l'album, vous deviez attendre. Donc là, ça va être du cartonnage. Et donc là, de faire cette petite carte, bah, ça me fait une petite pause. Voilà. Donc, moi j'aime bien prendre mes cartes en les ouvrant comme ça. Comme ça, on peut les poser. Vous voyez? C'est beaucoup mieux. Donc, je l'ouvre comme ceci. Essayez de ne pas coller les poils à fifi sur la carte. Hein. Donc, on centre bien. Voilà, ma première est mise. La deuxième, donc le cardstock comme ça, il y a un côté pile, un côté face. Donc on regarde, celui qui est en relief, c'est le côté que vous devez mettre au-dessus. Non, non. Donc, ah, bon, si c'est pour faire ça, Fifi, tu descends. Merci. Hop, voilà. Va voir tes copains. Donc là, on va mettre du double face 3D pour que ce soit un peu en relief. Je sais que ça va vous embêter que je tousse, mais j'arrive pas à faire faire autrement. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais le 3D comme ça, là, d'action, il y a toujours un petit morceau de papier qui reste. Ça...
Voilà. Je reprends ma carte. Bon alors, je regarde que je suis dans le bon sens. Et pareil, je vais centrer pour la mettre bien au milieu. Voilà. Voilà, la base de ma carte est faite. Vous voyez. Et donc maintenant, je vais prendre ma feuille. Non, je fais la... Donc, là, je vais prendre ce petit bonhomme de neige avec tous les cadeaux. Donc, c'est déjà prédécoupé, hein, donc vous avez... c'est pas compliqué. Hein. Là, vous n'avez vraiment rien à découper. Vous allez juste doucement pour le détacher. Voilà. Alors, vous pouvez déjà le mettre en 3D. Voilà, moi c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser là du ruban, ça ira beaucoup mieux. Pour les grandes pièces comme ça, c'est mieux. Et après, vous remettez des petits morceaux hein, un peu partout. Mettre, voilà, comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà. Donc on va reboucher un peu les trous là qui où il en manque. Par contre, il colle bien celui-là, il n'y a pas de problème. Désolé. La semaine dernière, c'était l'asiatique. Oh là là, la Didit. Pas rigolo, hein, de vieillir. Il ne faut pas être vieille pour être malade, mais bon. Voilà. Ici. Vous entendez ma télé sûrement. J'ai oublié de l'éteindre. Je suis toute seule à la maison là. Même quand je suis pas dans la pièce, moi j'aime bien que ma télé fonctionne. Je me sens moins seule. Bon, là, un petit bout ici peut-être. Et ça devrait aller. Voilà, vous voyez. Et donc voilà notre dessin. Maintenant, on va décoller tous les papiers. Donc là, j'ouvre pas mon volet hein, du tout en ce moment. On est sous lumière artificielle parce que bah, il fait trop mauvais dehors. Donc si j'ouvre mon volet, bah, vous verrez rien puisqu'il fait tout noir. Il est quelle heure? Il est midi et demi. Et...
si j'ouvre, bah, il fait tout noir. Donc, non, viens pas mettre tes papates là. Allez. Allez, croche. Non, Fifi. Descends. Fifi. Est-ce qu'un jour tu vas obéir? Non, hein, je pense pas. Hein. Les chats, ça n'obéit pas. Non, non, elle mange mes papiers. Dis donc. Oh. Pas squatter la cuisinière. En ce moment, elle me squatte le dessus de la cuisinière. Voilà. Donc là, j'ai bien enlevé tous mes papiers. Donc, on va bien centrer. Voilà. Donc, et ici, il nous reste alors des petits... tous les morceaux. Donc, on a les paquets cadeaux. Alors, je vais les décoller. Enfin, les détacher. Donc, on a les paquets cadeaux qui vont venir là. Encore un paquet cadeau. On a le chapeau. Voilà. On a l'écharpe du bonhomme de neige. Voilà. Il y a un paquet cadeau encore. Le ruban du paquet cadeau. Et il y a des petites boules du sapin. Encore une. Voilà. Le dessin d'en haut, c'est un autre, c'est autre chose. Donc là, j'ai bien tout récupéré. Oui. Voilà, donc ça j'en ai plus besoin. Donc maintenant il faut que l'on colle donc cette... Ah, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Voilà, comme d'habitude. On va coller tous ces petits morceaux maintenant, voyez. Et là on va utiliser donc les mousses 3D. Donc on peut utiliser des plus ou moins épaisses. Donc là ce sont des très épaisses. Vous voyez, là elles sont un peu moins. Hop, hop, hop. Voilà. Donc moi j'ai envie d'utiliser les épaisses pour certaines choses. Donc déjà pour les paquets cadeaux. Hop. Donc vous prenez. Donc là il faut d'abord faire. Vous voyez ici on a le paquet cadeau comme ça. On a le double. Je vous montre sur le dessin. Vous voyez. On a le paquet cadeau ici. Voilà. Donc là, on l'a comme ça. Et on l'a comme ça. Donc c'est celui-ci que l'on doit mettre en premier. Le deuxième rouge viendra après. Donc on va mettre des petites mousses 3D un peu partout. Donc surtout sur les bords. Hein. Voilà.
Donc ça vous fait ça. Et donc on va enlever toutes les petites protections bien sûr pour pouvoir coller sur notre carte. Voilà. Il en reste un. Il en a eu partout, oui. Donc maintenant, on prend notre carte et on va poser, alors bien, bien symétrique. Hein. Voilà notre premier. Et voyez, voilà ce que ça fait. Vous voyez ici. Donc on est déjà, on a déjà une épaisseur. Oh, pardon. On a déjà une épaisseur. Donc là maintenant, on va pouvoir mettre la petite boîte rouge en plus. Donc soit que vous mettez des moins épais ou vous remettez les mêmes. Bon, moi je vais continuer sur les mêmes. Je ne vais pas m'embêter. Donc il existe aussi des petites pastilles transparentes pour faire du 3D. J'en ai pas là avec moi pour vous montrer. Pardon. Donc c'est très bien aussi. Mais je ne sais plus comment on appelle ça. Donc c'est des petits ronds. C'est comme... vous pouvez vous les faire vous-même aussi si vous voulez. C'est des... comme des... petite bille de colle mais un peu épaisse, voilà. Moi j'ai j'ai des tubes de colle 3D, je sais, j'ai pas encore utilisé, faudrait que j'essaye, que j'avais acheté à Action, je sais pas ce que ça donne puisque j'ai pas encore je n'ai pas encore utilisé, et ça permet de faire ça justement. Je sais même pas si on le trouve encore à Action. Voilà. Donc, je vais coller ma petite boîte rouge. Voilà. Fifi descend. Voilà, la petite boîte rouge. Mise, voyez, ah, fifi. Bon, alors pour finir dans les boîtes, dans cette boîte là, il reste le petit nœud. Donc là, on va juste lui mettre ben, je crois qu'avec deux ça va suffire. Voilà.
Désolé, 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 désolé. Là, on va coller le petit nœud. Hop, hop, viens là. À sa place. Donc là, quand c'est des petites pièces comme ça, ça commence à être... Voilà. Il nous reste le petit paquet cadeau ici. Celui-là. Toujours pareil. Donc si vous voyez que si vous voulez que ce soit moins en 3D, je vous dis, vous en mettez les plus fins. Hein. Ça après, c'est à votre convenance, à votre goût. Mais bon, c'est vraiment des choses très très simples. Mais bon, pour celles qui débutent dans le scrap ou la carterie, voilà, c'est un tuto qui va peut-être vous servir. Hein. Celles qui connaissent, bon, vont trouver ce tuto peut-être inutile. Bon, je cherche ma pince, mais je ne sais pas où elle est. Ce serait plus pratique pour moi tenir. Voilà, mon petit paquet cadeau est posé. Alors maintenant, il nous reste pour notre bonhomme de neige. Oh là là, mes boules de Noël se sont envolées. Ah. Voilà. Donc, il me reste le chapeau et son écharpe. On va lui mettre son petit chapeau. Voilà. Yep. Et maintenant son écharpe. Je vais pas faire dépasser les mousses. Donc quand vous voyez que ça va dépasser, ben vous essayez de recouper un peu les mousses avec un ciseau fin. Ici, alors mon ciseau fin, petit, mon petit ciseau. Donc, je vais couper ma mousse en deux. Voilà. Je dis pas, j'étais au kiné ce matin.
Il m'a massé avec la pommade qui sent le camphre. Tout l'odeur du camphre, j'adore hein, cette odeur, mais alors là, il m'a mis la dose. Et ça fait du bien pour mon rhume, hein, je vous le dis. Moi qui me parfume souvent, enfin même principalement à la vanille, ben la vanille on la sent plus. Hein. Mais au moins là, on sait pourquoi j'étais au kiné. Voilà. Alors, on va lui mettre sa petite écharpe autour du cou. Voilà. Il a sa petite écharpe. Et il me reste plus que les petites boules. Alors, on va voir si mes carrés sont pas trop grands pour les boules. Je sais pas. Ça va. Donc là, bah, ça va, hein, y a qu'un carré à mettre. Donc, il y en a une là. Faut appuyer un peu hein, ça, comme c'est de la mousse, ça va pas bouger. Voilà. La deuxième. Et la dernière. Et voilà. Donc hop 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 voilà. Donc des fois à la fin de ces cahiers, il y a des pages en plus. Alors est-ce que dans celui-là il y en a, oui, vous voyez. Il y a des pages en plus pour mettre des décorations supplémentaires. Bon là je vais pas en mettre en plus. Par contre, je vais lui mettre une phrase marquée Joyeux Noël. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Alors ça, c'est bien ça. C'est des phrases toutes faites. Voilà, je vais lui mettre celui-là. Donc, c'est des stickers hein, qui sont déjà préparés. Donc, pareil, hein, pour les débutantes, c'est nickel ça. Alors, on va lui mettre un pain trop grand. Oh, j'ai encore de la mousse de la boîte à explosion de l'autre jour. On va lui mettre celui-là.
donc ça se retire tout seul, voilà, hop hop hop, et on vient le coller. Donc on fait pour que être droit, hein. De toute façon, ces stickers, ce qui est bien, c'est que vous pouvez les redécoller si vous voyez que vous n'êtes pas tout à fait droit. Voilà, voyez. Donc pour les débutants, c'est vraiment super. Vous avez vite fait une petite carte de Noël sans trop vous embêter. Vous voyez, il y a même des petits sapins. Allez, on va lui mettre un petit sapin. Hop. Un petit sapin dans le coin ici. Voilà. Et ça vous fait tout de suite une petite carte toute mignonne, toute jolie. On va lui mettre des petites étoiles. Voilà, toi, assez sauvé mon étoile. Hop, là, je sors, viens là. Elle veut pas, hein? Ouais, elle reste là. C'est bien. On va lui en mettre une petite. Voilà. Allez. Une petite dernière pour la route. Pour que ce soit un peu équilibré. Voilà. Après vous pouvez mettre un peu de strass ou coller un peu de choses comme ça, comment on appelle ça, des paillettes comme ça, je sais plus le nom. Ah mince, j'en mets partout, le sachet est ouvert. Ah bah zut, j'avais pas fait attention. Bon, là c'est bleu, donc je vais pas en mettre, ça n'irait pas avec les couleurs. Mais, hop, on va les mettre sur le côté, je vais les ranger après. Donc voilà ce que ça donne. Voilà comment on fait une carte en... Hop, on va reculer un petit peu. Une carte avec des die cut 3D. Vous voyez, ça va, c'est tout simple. Vous pouvez redécorer avec du 3D, avec des... Pareil, vous pouvez remettre un fil doré, par exemple, si vous en avez. Comme moi, là, j'en ai, mais bon, il faudrait que je cherche après. Après, vous pouvez redécorer, refaire un petit rappel à l'intérieur de votre carte, remettre un petit joyeux Noël, remettre une image, voilà. Voilà. Donc, le 3D, vous voyez, c'est vraiment très, 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 très facile. Et voilà, vous voyez ce que ça fait. Je montre. Donc, et puis ça fait son effet, ça fait une jolie carte. Voilà. Donc voilà, j'ai fait mon petit tuto. Voilà, qu'on m'avait demandé, je l'ai fait avec plaisir. Hein. De toute façon, vous savez très bien que quand vous avez... Désolé, on a eu une coupure, ma carte était pleine encore. Il faut que je change de carte, elle est trop petite. Voilà. Voilà. Donc là, pour aujourd'hui, je crois que j'ai plus rien à dire. Non. Donc je remercie encore tout le monde pour tous les messages que j'ai eu hier. Là maintenant, je vais... Ah si, j'ai encore une vidéo à vous faire aujourd'hui. Je vous avais promis. Enfin, j'avais demandé si ça vous intéressait. On m'avait dit oui. Donc je vais essayer de la faire. Elle va être très courte. Donc je vais essayer de la faire aujourd'hui.
sur les nouveaux twin markers métalliques. Voilà, voilà. Voir ce que ça donne. Je ne sais pas encore essayer. J'en ai retrouvé d'autres. Donc, je ne sais pas si j'ai toutes les couleurs. Mais, donc, on va voir. Je vais faire un essai sur papier noir et sur papier blanc. Et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je vous fais une petite vidéo. Un crash test. Voilà. On va voir ce que ça donne. On se retrouve très rapidement donc pour une nouvelle vidéo. Là, je vous mets en même temps une photo donc de la petite carte que l'on vient de faire donc avec les die-cut 3D. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Hein, vous me laissez un commentaire sous la vidéo. Des petits pouces bleus, plein de petits pouces bleus. Voilà. Si vous n'avez pas aimé, bon bah tant pis. Hein. Hein, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et maintenant, ben, je vous embrasse tous très très fort. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.